Bonsoir, bonsoir. Comment ça va ce soir? Allez, on se retrouve pour la première fois du coup à ce nouvel horaire, 18h. Et oui, comme j'expliquais lors de mes portes ouvertes, je change professionnellement de travail. Et du coup, je vais travailler tous les jours de la semaine. Donc, je ne vais plus être disponible le mercredi après-midi. On a donc convenu avec les gens qui étaient avec moi ce week-end qu'on allait passer ce live à 18h. Donc, on se retrouvera le mercredi, un mercredi sur deux, à 18h. Pour notre petit moment créatif que j'espère vous appréciez autant que moi. Donc moi, pour ceux qui passent dans le coin par hasard, je suis Stéphanie, Scrap with Steph sur les réseaux. Je suis ravie de vous retrouver dans ma Scrap Room. Je vais vous présenter un projet. Oui, mademoiselle était avec moi. On a pris 5 minutes de pause entre mon cours d'anglais et ce live. Et du coup, elle s'est invitée. Voilà. Donc, vous me retrouvez sur les réseaux. Vous me retrouvez évidemment au travers de ma chaîne YouTube, de ma boutique en ligne Stampin'Up. Et je suis ravie de partager mes idées avec vous, de vous suggérer tout un tas de choses, tout un tas de projets que vous pouvez réaliser avec les produits Stampin'Up. On a passé un week-end extraordinaire avec celle qui était là et on a fait plein de choses. Je vous ai fait découvrir plein de choses. Alors, bonsoir Brigitte, bonsoir Isa, bonsoir à Nadine, bonsoir Martine, bonsoir Caroline. Je suis ravie de vous retrouver. Merci beaucoup d'être là ce soir avec moi. Donc voilà, nouvelle organisation, nouveau rendez-vous. J'espère que, ben, pourquoi pas, ça permettra aux gens qui travaillent aussi de me retrouver plus facilement. En tous les cas, ce soir, je vais vous partager. Ben, un projet, alors un projet tout simple. Voilà une petite carte pop-up. Je l'ai appelée pop-up en simplicité parce qu'elle est simple et du coup, comme tout projet simple, ça permet de laisser part à son imagination bien plus que des projets très techniques. Alors, je l'ai réalisé avec, je crois que j'arriverai jamais à me rappeler du nom de cette collection, Floraison Sauvage, qu'on voit assez peu et que je trouve pourtant très jolie, avec des grandes pages fleuries comme celle-ci, dans différents coloris, des bleus. Alors, bien évidemment, il y a aussi, hop, des pages blé sauvage et des pages sur les tons rose, mauve mélancolique plus exactement. Bonjour à celles qui me retrouvent. bonjour, non pas à Tulipe qui m'a pourtant dit déjà 1000 fois, je pense, son prénom, mais je suis désolée, mon cerveau n'imprime pas. Il faudrait que je me fasse des penses bêtes, hein, parce que mon Alzheimer ayant frappé, je suis désolée, il faut pas m'en vouloir, mais en tous les cas, je suis très contente que vous soyez là avec moi ce soir. Alors, on passe sur le plan de scrap et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé pour ce soir. Alors, donc cette fois-ci. Alors, il y a des choses que je vais vous montrer tout de suite et il y a des choses que je ne vais pas vous montrer tout de suite. Donc ça, c'est pour tout à l'heure et c'est pour vous donner une petite alternative. Rachel, je suis désolée. Tu sais quoi? Je vais prendre
Regardez, pendant un moment, on se moquait de moi parce que j'avais des petits bouts de papier comme ça partout. Alors, c'est du papier glacé, donc il faut que j'écrive au stylo bille. Tulipe, c'est Rachel. Je vais mettre ça sur mon bureau et l'apprendre par cœur. Et au bout d'un moment, ça va rentrer dans mon cerveau. Et bonjour Nicole, et je suis ravie parce que les sous-titres fonctionnent. Donc, j'ai travaillé ici avec la couleur rose, mauve mélancolique, pardon, et cette page blé sauvage. Je trouve que ces deux couleurs se marient vraiment très très bien. Et pourquoi elles se marient particulièrement bien, je vais vous remontrer. Je m'en vais pas trop loin. Elles se marient plutôt très bien parce que, regardez, dans la roue, on se trouve relativement en face. Et vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé une fois, j'en ai parlé plus longuement ce week-end, mais cette roue, vous la trouvez à la page 132 de notre catalogue. Vous pouvez en faire la photocopie ou imprimer la page en PDF, la plastifier ou pas, et vous aurez du coup un outil assez extraordinaire. Et du coup, on sait que les couleurs qui se trouvent un peu en face, comme ça, se marient extrêmement bien visuellement. Du coup, c'est pour ça que notre mauve mélancolique et blé sauvage sont vraiment très jolies à marier. Alors, on a là un tout autre assortiment que j'ai choisi pour ce soir avec cette page fleurie bleue. Coucou Isa, eh ben voilà, j'avais dit que je pourrais attraper les gens qui rentrent du boulot du coup. Ravie de te trouver ce soir, c'est adorable de faire un petit coucou. Donc là, on est dans les bleus mystérieuses brumes, un peu éclaircies, bleu bohème, etc., etc. Et j'ai décidé de l'associer avec notre couleur café, justement. Bien évidemment, les neutres, à part peut-être le cuvée de cassis, quoique vous allez pouvoir, et feuillage sauvage peut-être. Vous allez pouvoir les associer avec quasiment toutes les couleurs. Donc ça marche couleur café avec la plupart des couleurs. Vous voyez, avec les bleus, ça marche très bien. Mais si j'avais voulu l'associer avec le blé sauvage, ça aurait très bien fonctionné aussi. Le mauve mélancolique, vous pourrez associer ça, c'est mon gribouillis de pense-bête. Vous pourrez associer ces couleurs-là à n'importe quelle couleur. Donc voilà la combinaison que j'ai choisie pour cette carte. Et du coup, j'ai choisi pour celle-ci. Là, j'avais travaillé un fond qui est un peu chargé. Du coup, j'ai mis une étiquette pour rendre de la sobriété. Bonsoir Chantal. Et quelque chose de très soft sur le devant. Là, j'ai, pour vous montrer, fait complètement le contraire. Donc, j'ai fabriqué une étiquette un peu plus travaillée avec un fond, du coup, beaucoup plus sobre. Donc, on va commencer à créer notre carte. Et vous allez voir à quel point c'est très simple. Je vais aussi vous parler tamponnage en deux étapes dans ce live. J'ai envie de vous parler de quelques petites bricoles comme ça. Donc là, on va prendre une base de carte et pour une fois, on va la mettre en position allongée. Et du coup, cette base de carte, elle fait 10 et demi par 29 cm. D'accord? Donc dans une page A4, vous allez pouvoir en découper deux. Ok, on fait un peu de travail à la chaîne, on prépare deux cartes en même temps, comme ça, deux occasions de faire plaisir à deux personnes différentes. Donc 10,5 par 29 cm, et du coup, on va faire un pli à 14,5 cm. Hop! On fait un pli à 14,5 cm et on plie en deux. Hyper simple.
on met notre coupe papier de côté et on va commencer du coup à coller nos imprimés. Là, j'ai choisi de mettre du coup à l'intérieur mon papier fleuri et je vais le coller en premier avant de faire notre pop-up. Oh, bonjour Judith, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue sur un live, j'ai l'impression. Hop, et voilà, donc... Vous faites attention, bien évidemment, si vous avez un papier qui a un sens, parce que une carte, normalement, s'ouvre plutôt comme ça vers la gauche que dans l'autre sens. Donc, il ne faudrait pas que vous soyez à l'envers. D'accord? Donc, j'en mets un à droite et j'en mets un à gauche. Donc, une petite léchouille de colle, hein, pas la peine de vider son tube. Hop, c'est l'avantage d'avoir une colle qui colle. Voilà. Et du coup, on essaye de coller droit, on essaye de coller au milieu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir habiller l'extérieur. Alors, vous avez l'habitude, hein, j'aime bien travailler à plat. Mes petites décos là, ça sera pour tout à l'heure et je vous montrerai comment je les ai réalisées. Et du coup, ben, en fait, là c'est juste le verso de mon papier que j'ai utilisé pour l'intérieur. Et du coup, hop, 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 on va venir comme ça. Hop, voilà. DSP, ah oui, pardon, 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 Martine, oui, oui, bien évidemment, 10 par 14, je suis désolée, 3 rectangles de 10 par 14 cm, effectivement, 10 cm de hauteur, 14 cm de largeur, pardon, pardon, pardon. Donc, un devant et deux à l'intérieur. Ensuite, vous, je vous avais demandé de découper mes coucou Aurélie. Donc, ça fait 3 rectangles, tout à fait. 3 rectangles. Un pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur. Il vous faut une bande de la même longueur du coup que notre base, mais de 2,5 cm. Donc, 2,5 par 29 cm. Et je reprends mon coupe-papier. Je sors sa petite jambe. Et je vais venir faire des plis. Un pli à 8. Et ça, ces plis, c'est un peu moi qui me suis mise d'accord avec moi-même. Hein. Coucou Muriel. Parce que j'aurais pu, étant donné qu'on a 29, j'aurais pu faire 14,5 pour partager au milieu et 7,25 pour faire 4 morceaux identiques. J'ai eu envie de faire un peu un truc incroyable, ne pas être symétrique et du coup j'ai décidé de faire un pli à 8. Un pli à 14,5, un pli à 21 et du coup il nous reste 8 de l'autre côté et j'ai du monde qui nous rejoint. Mais coucou, coucou à Mumu, à Fabienne, à Brigitte et juste du scrap, je ne me souviens plus du tout non plus du prénom, désolée, désolée. Mais en tous les cas, bienvenue et merci beaucoup de me retrouver ce soir pour un premier live, 115e live de Steph, mais premier live à 18h puisque à partir de maintenant, on se retrouvera à 18h. Oui, juste un petit bisou, mais merci de je le reçois avec, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir ce bisou. Et à très très bientôt Fabienne du coup. Donc, une bande de 8,5 par 20, de 2,5 pardon, par 29 avec un pli à 8,
un pli à 14,5 et un pli à 21 cm. Alors, ces plis, regardez, on va faire comme ici dans la carte que je vous ai montrée en modèle. On a un pli vallée en premier, ensuite un pli montagne et ensuite un pli vallée. Je la garde comme ça à côté de moi, un pli vallée. Donc du coup, quand on fait ça, on marque bien le pli en faisant attention que notre papier reste dans l'alignement. Hein, c'est facile, vous mettez un bord contre un autre. Regardez, je peux même faire comme ça. Comme ça, ça vous permettra peut-être de mieux voir. Comme ça, on va faire un pli montagne et hop, un pli vallée. Ok, donc une vallée, une montagne, une vallée. Et là, du coup, on est quand même symétrique finalement. Même si là, on a un morceau qui est plus grand que celui-ci. On va venir le coller. Alors là, ici, je l'ai mis exactement au milieu. Ça veut dire que, étant donné que notre bande fait 2,5 cm, j'ai 4 cm dessous et 4 cm dessus. Vous pouvez choisir de mettre cette bande en bas. Vous pouvez choisir de mettre cette bande en haut, de la mettre au milieu, de la mettre aléatoirement. Enfin, vraiment, le tout, c'est que ça soit droit. D'accord? Parce que si vous collez ça un peu de traviole, ça ne va pas être super, super. Donc, moi, je vais m'aider de ma règle, hop, pour venir coller ça. Et cette fois-ci, je vais la coller un peu plus en bas, pas tout à fait au milieu. Regarde, ça, je me suis encore une fois mise d'accord avec moi-même. Mais ça, vous avez l'habitude. Et faites la même chose. Vous allez voir que la vie est bien plus belle quand on se met d'accord avec soi-même. Hop, je mets un petit peu de colle sur la partie. Mais coucou! Bonsoir Françoise! Et bonsoir à Dominique! Donc, je mets de la colle sur la partie la plus à gauche. Et je viens, en tenant mon truc droit, ce que je viens de détruire complètement, je viens poser du coup ma bande ici dans l'alignement à gauche et contre ma règle pour être droite, et je la fais coller sur mon papier imprimé. Du coup, de l'autre côté, je vais mettre de la colle sur l'extrémité à droite, hop, voilà. Et je vais faire la même chose. Alors, normalement, il vous suffit comme ça, hop, de bien étendre votre bande. Et puisqu'on l'a positionnée droite au départ, elle va être droite jusqu'à la fin, bien évidemment. Et du coup, là, quand on va plier, c'est formidable que tu sois et reste d'accord avec toi-même, ça nous rassure. Ouais, quand on commence à ne plus être d'accord avec soi-même, c'est là que ça déraille. Hein, et c'est là qu'il faut prendre des décisions, parce que rien ne va plus à mon sens. Du coup, comme on a fait un pli vallée, un pli montagne, un pli vallée, quand on plie, voilà, on a une sorte de petit accordéon, une sorte de je ne sais pas quoi qui est en train de se former. Voilà, pour faire notre pop-up. On pourrait faire un double pop-up en faisant deux bandes. On pourrait inventer et imaginer plein de choses. Alors, dans le descriptif, je vous ai dit de découper 4 rectangles de 7 cm de hauteur en couleur, de 7 cm. Oh, bah ça me fait plaisir, ça, dis donc. 7 cm de hauteur, 5 cm de large. Et je vais en profiter, du coup, pour vous montrer des choses que je n'ai pas eu le temps de vous montrer ce week-end. C'est le tamponnage
grâce à un tampon double, un tampon de fond, bonjour Virginie, et un tampon de contour. Donc, je vais me mettre comme ça et je vais vous montrer ce set de tampons Flowers of Beauty qui est du coup dans le nouveau catalogue et que vous pourrez bien évidemment retrouver sur ma boutique en ligne. Ouais, il est très très beau ce papier. Donc, ce set de tampons est un set de tampons où vous avez pour chaque image deux tampons. Donc, vous voyez, on les repère ici. On a ici une grosse fleur avec un tampon de fond, un tampon de contour, une petite fleur pareil. Ici, les feuilles. Là, on a des petites feuilles, des petites fleurs toutes petites comme ça. Cette espèce de branchage ici que j'ai mis, j'essaye de vous montrer de près sur mon étiquette. Donc, où vous allez avoir sur du coup un tampon, plutôt un fond de feuillage, et sur l'autre tampon des petits détails. Vous avez aussi ici cette petite ribambelle de fleurs que vous allez pouvoir renforcer. Donc ça, on a un fond renforcé avec des détails ici, voilà. Et ben, je vois que ce papier fait l'unanimité, c'est chouette. Donc, on va prendre, enfin, je vais prendre, et vous me direz ce que vous allez prendre de votre côté. Je vais prendre cette couleur que j'adore, le mauve mélancolique que j'avais oublié de sortir, mais comme dirait Marilyn, j'ai des roulettes, donc je peux vite aller chercher les différentes choses dont j'ai besoin. Donc, j'ai aussi l'habitude de mettre sous mes papiers à tamponner. Donc, soit ce petit tapis de silicone, soit un tapis de mousse pour ne pas tamponner sur une surface trop trop dure. D'accord? Donc là, je vais essayer de rester dans le champ avec tous mes différents éléments là. Et je vais commencer, hop, par prendre mes deux tampons. Donc, j'ai décidé d'utiliser ces grosses fleurs et ces petites fleurs. Hop. Voilà. Donc, ce set de tampons, il est assorti, enfin, il est présenté avec la collection de papier Beauté sans bornes. Vous le retrouverez à cet endroit-là, du coup. Donc, on va utiliser l'encreur mauve mélancolique. Je vais, hop, faire rentrer un peu mon encre parce que je préfère quand c'est un peu plus doux. Hop, ben, je viens de m'en ficher partout. Je me rends compte que mon truc n'est plus du tout mouillé. Donc là, ça va être la cata. Je vais en avoir partout. Mon truc pour nettoyer le tampon. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je prends mon tampon. Ah mince! Oh, bah si, je vois que les sous-titres avancent. Il y a un tout petit décalage hein, entre les sous-titres, enfin, entre mes paroles et les sous-titres. Alors, je prends le tampon de contour et je vais venir commencer à tamponner. Donc là, je vais le tamponner trois fois par exemple. Hop. Donc je vais le défaire sans m'en ficher plein les mains. Hop. Et je vais maintenant prendre le tampon de fond. Et pareil, j'ancre mon tampon de fond. Et là, je vais chercher un moyen de me retrouver. Et il y a un moyen sur ce tampon-là qui est assez simple. C'est ce pétale-là avec l'espèce de petite forme comme ça qui dépasse, qu'on retrouve ici. Et je vais donc pouvoir aligner, hop, mon tampon de fond sur mon tampon de contour.
Alors, si ce n'est pas parfaitement, parfaitement, parfaitement aligné, ça n'est pas grave du tout. Ça donne un effet très, très artistique. Et là, du coup, j'ai décidé de le faire en ton sur ton, donc avec les deux mêmes couleurs. Ici, j'avais fait, vous voyez qu'on a un rendu totalement différent. J'avais fait le tamponnage de fond avec le bain à bulles et les contours avec le mauve mélancolique. Du coup, deux rendus complètement différents, mais deux rendus que j'adore vraiment. Mais c'est incroyable ça, tout le monde adore ce papier imprimé. Donc là, je vais faire la même chose. Ah bah mince, je sais pas François ce qui se passe parce que moi sur ma tablette, je vois défiler. Je vais faire la même chose du coup avec le petit tampon. Et du coup, dans le catalogue, vous allez retrouver par exemple les tampons montgolfières qui sont sur le même principe. Il y a les tampons avec l'espèce de petite voiture de course là, qui pareil est sur le même principe. Alors là, on a un repère. Alors c'est parce que j'ai l'habitude, mais du coup, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Là, on a un pétale qui a un petit trou et du coup, il y a un trou dans le contour aussi. Je triche un peu comme je sais où ça va. Mais encore une fois, de toute façon, si vous superposez pas pile poil, ça n'est pas du tout grave. Ça fait un effet très très artistique. Enfin, en tous les cas, moi, je trouve. On peut bien évidemment prendre nos stamping rights et venir faire hop 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 des petits pointillés comme ça. On peut mettre des petits bling bling, on peut faire tout ce qu'on veut. Là, je vous montre aussi pour l'étiquette que j'avais fait là. Donc après, je colle pas parce que je veux vous montrer autre chose. J'ai utilisé un autre moyen de rendre cette carte pop-up encore plus jolie, mais je voulais quand même vous montrer comment j'avais réalisé celle que j'avais faite en amont. Du coup, je vais vous montrer aussi comment j'ai réalisé ça. Donc ça, c'est grâce aux brosses estompes. Donc là, c'est la petite. Elles existent en grand. Alors, je ne sais pas si j'ai encore de la couleur dessus. Si j'ai encore un peu de rose dessus. Donc, regardez, on peut l'ancrer. Là, j'utilise du coup mon petit tapis de silicone. On pose tout doucement et on va venir comme ça faire quelque chose d'un petit peu nuageux. Au milieu d'une étiquette, regardez comme c'est mignon. Donc là, vous allez pouvoir coloriser. Oui, bien évidemment qu'on met des petits pointillés. Bonsoir Monique. On va pouvoir comme ça coloriser un fond. Et puis, je vais prendre, hop, récupérer mon acrylique, prendre un petit message. Alors, je voudrais le juste pour toi. Ça doit être celui-là que je trouve tout à fait mignon. Et du coup, je vais pouvoir venir le tamponner par-dessus ici le petit floutage rose là que je viens de créer. Et bien évidemment, à pas avec cette pointe. Bien évidemment, on peut. Alors, on peut faire une variante, regardez. On va faire que les angles. On peut faire ça, par exemple, et venir coller des petits bling-bling aussi, juste aux alentours. Mais coucou, Rosen! Ah bah c'est cool, du coup t'as coupé le son.
Ben, j'avoue, c'est plutôt pour nos copines qui sont sourdes, mais en tous les cas, si ça peut arranger les unes ou les autres, c'est parfait. Donc voilà ce que vous auriez, enfin ce que vous pouvez par exemple faire si vous utilisez les petits rectangles. Oh ben mince, Anne-Marie, ben, il y aura les replays de toute façon, ne t'inquiète pas. Alors, moi là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser donc avec ces tampons Amour sans limite. Vous avez des magnifiques étiquettes. Regardez comme elles sont belles. Donc toutes sortes, des ovales, des rectangulaires, avec des petits points en trou-trou, avec une feuille sur le côté. Et du coup, c'est celle que j'ai utilisée ici. Donc il y a l'étiquette là qui découpe directement. Après, j'ai collé sur du blanc et j'ai découpé autour avec mes ciseaux. Il y a aussi les petites feuilles là qui sont indépendantes et qui vont vous permettre de venir agrémenter ça. Vous pourriez aussi mettre du papier blanc au fond et venir le découper autour. Mais là, du coup, pour décorer l'intérieur de ma carte et pour mon pop-up, j'ai voulu utiliser ces belles étiquettes. Donc j'ai utilisé celle-ci et regardez comme le résultat est joli. J'essaye de ne pas bouger pendant 2 secondes. Et j'ai utilisé celle-ci et regardez comme elle est jolie celle-ci aussi avec des petits points en trou-trou autour. Voilà, donc j'en ai découpé 2 de chaque en avance. D'accord? Et je vais vous montrer comment remettre. Ah bah je vois que là, regardez. Là, ce sont les dies que j'ai utilisés pour découper ce rectangle. Donc il y a les rectangles et les ronds existent aussi. Et pareil, bien évidemment, vous pouvez trouver ça sur ma boutique en ligne. Là, une petite astuce. Donc, regardez. Là, j'aime pas trop, moi, tamponner les choses sur du papier de couleur. Enfin, je le fais assez rarement, mais je trouvais que si on faisait ça, vraiment, ça serait très, très joli. Donc, je vous donne mon astuce. Vous allez pouvoir utiliser. Alors, ça marche pour celui-là, ça marche pour celui-là, hein. Vous allez pouvoir utiliser votre die pour vous faire un petit gabarit et pour venir redécouper le centre. Donc là, je pose mon poinçon, je prends un crayon de papier et je viens faire le contour intérieur de mon die. Du coup, ça va être forcément exactement à la mesure de ma petite étiquette que je viens de découper. Et là, du coup, il me reste à prendre une petite paire de ciseaux et à venir découper autour de ma forme. Qu'est-ce que tu veux, mademoiselle Rosalie? Elle boude parce que. Ah, hey, il y avait l'encreur, tu m'as fait peur. Elle est douée, hein. Vous avez, je ne sais pas si vous l'avez vu passer à la caméra, elle est fine, doudou. Mais elle a sauté depuis le sol, elle est passée à côté de l'encreur. J'ai cru qu'elle allait sauter directement dans l'encreur. Oh, je vous assure. Alors, du coup, voilà, petit rendez-vous médical ce matin, du coup, j'étais pas à la maison. Ensuite, j'ai préparé mon atelier de samedi et j'adore tellement le projet que mes clientes, un groupe un petit peu spécial, m'a demandé que je pense que je vais vous le proposer, vous proposer en tous les cas une adaptation en projet VIP bientôt parce que j'adore trop. Donc vous voyez, là on a du coup l'étiquette qui va parfaitement sur notre découpe qu'on vient de faire. Ouais, elle veut scraper avec moi, du coup, elle veut que je m'occupe d'elle surtout. Donc,
Là, on va, on peut du coup faire la même chose, hein. Je vais pas recommencer, recommencer et recommencer. J'aurais pu le faire directement d'ailleurs sur celui-là. Alors, les étiquettes sont beaucoup plus petites, donc on va faire comme ça. Voici, on va le faire ensemble, hein. Ce set de tampons est tellement beau que franchement, je me lasse pas de l'utiliser. Alors là, je vais avoir des mains dans un état absolument catastrophique, mais ça n'est pas grave. Hop, donc je retrouve le sens de ma fleur et je viens, mais avec plaisir. Oh, bah Nanette, il y a Françoise qui te fait des gros bisous, hein. Donc on peut par exemple faire ça. Et puis on peut se débarrasser du coup de celle-ci pour venir faire la plus petite. Juste là en dessous. Hop, une ici, une ici. Hop, je continue à me barbouiller les mains. Hop, donc je ne sais pas si vous voyez ma petite fleur là avec. Avec un trou, ah, du coup c'est celle-ci. Donc elle va comme ça. Et celle-ci, du coup, va comme ça. Bon, alors là, je ne vais pas rajouter encore des petits pointillés parce que il y a déjà les pointillés en trou-trou. Donc je pense que ça suffit. Je vais prendre mon outil touche-à-tout pour venir mettre à l'arrière de mes étiquettes blanches du coup. Hop, hop, zut. Je vais mettre hop et hop des petites mousses 3D et je vais venir coller ça. Je suis toujours dans le champ, les filles. Je vais venir coller ça au milieu. Hop. De mon étiquette, et c'est pas trop mignon ça quand même. L'autre, je vais faire la même chose. Je reprends des mousses, je reprends mon outil touche à tout. Hop, hop, toc. Ah, bah flûte. Hop, je viens mettre ça. Oh, bah allez. Regardez, on va en mettre un dans un sens et un dans l'autre. Comme ça. Donc, on va imaginer mettre ça par exemple à l'extérieur. On mettra ça comme ça tout à l'heure. Avec grand plaisir, les filles. Et puis là, on va mettre du coup un petit message. Donc, on se met bien à plat surtout, hein, quand on tamponne. Parce que si je me mets sur des épaisseurs, ça va pas aller. Du coup, c'est une petite carte d'anniversaire. Hein, je vous ai expliqué qu'il y avait tellement d'anniversaires dans mon équipe que là, il faut vraiment que je fasse des cartes et des cartes et des cartes d'anniversaire. Donc, hop, en voilà une nouvelle en préparation. Je vais lui mettre. Non, pas des petits points. Je vais lui mettre une petite fleur autour. Une en haut, une en bas. Par contre, quand vous faites ça, vous faites attention. Ça pose aucun problème de tamponner là. Mais par contre, il faut faire attention quand on retourne son projet. Parce que forcément, ça va imprimer. Vous savez que les petits tapis de silicone comme ça, on s'en sert pour faire des impressions de miroir. Du coup, faites attention de ne pas barbouiller. Du coup, on va pouvoir faire par exemple comme ça pour un message. Je reprends mes mousses. Une ici. Une ici. Et une là. Voilà. Et toujours pareil, je vais bien la positionner au milieu. Voilà.
Regardez. Juste pour toi. Et qu'est-ce qu'on prend comme, comme autre message? Oh, que tes rêves se réalisent. Ça, c'est un beau message. Que tous tes rêves se réalisent. En plus, j'adore quand, quand ils font ça chez Stampin' Up. Ils nous proposent. Ah, mais est-ce que ça va rentrer? Ah, ça va peut-être pas rentrer. Ah non, ça rentre pas, zut. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Je vais mettre dans l'autre sens. On va faire un switch. Regardez. Déstructuré. Totalement déstructuré. Oui, je disais du coup, moi j'adore quand ils font ça chez Stampin' Up. Ils nous proposent des étiquettes, des mots, des messages avec plusieurs, comment on dit, des calligraphies. Je ne sais pas si on dit comme ça. Enfin, plusieurs types d'écriture différentes. Et vraiment, moi je trouve ça hyper, hyper, hyper mignon. Donc, regardez ce qu'on va faire. Là, on va aussi mettre du coup des mousses 3D à l'arrière, bien évidemment. Hop. Hop. Alors, ça va épaissir un peu notre carte, mais des types de police. Merci, madame. Merci, mesdames. Heureusement que je vous ai, hein. Donc, on va mettre ça comme ça. Hop. Oui, donc, je disais, comment? Là, on est en train de créer un peu d'épaisseur sur notre carte, mais bon, c'est une carte qui va plutôt se conserver ouverte ou moitié ouverte, donc ça n'a pas du tout d'importance. Et regardez, du coup, je vais faire comme ça. Comme j'ai là 8 cm, et ben ça va le faire comme ça. Regardez ça. Et puis on va pouvoir s'amuser à mettre une étiquette. Comment je vais faire? Je vais mettre une étiquette là au milieu, ou bien je les mets toutes au milieu, ou bien je mets une étiquette. Non, je vais les mettre toutes au milieu cette fois-ci. Ah oui, la calligraphie aussi. Allez, cette fois-ci, je les mets toutes au milieu. Vous êtes d'accord avec ça? Donc là, du coup, je mets un petit chouï de colle ici. Et comme ça, je peux, hop, positionner mon petit médaillon là, exactement où je veux. Là, pareil. Hop, un petit peu de colle. Et là, je positionne aussi au milieu. Hop, un petit peu de colle. Tchouk. Au milieu, j'espère que je suis à peu près droite. Hein. Normalement, si j'étais en off, je mesurerais, mais bon, je vais pas vous faire cet affront quand même. Hop, là, du coup, on peut faire un peu plus large et on va positionner notre petite cartounette comme ça, enfin une petite étiquette, pas cartonnette, étiquette sur notre cartonnette. Voilà, regardez comme c'est mignon. On dirait des petits camés là. Ah bah coucou Valérie. Un peu en haut, un peu en bas, ça déstructure en complément de tes étiquettes. Ouais, j'aurais pu complètement, mais du coup, j'ai pas beaucoup de latitude et comme j'en ai une qui est, j'aurais pu. J'aurais pu. Du coup, j'ai tout aligné. J'ai vu ton message trop tard. Et du coup, hop, quand on ferme, bon, et ça ne se met pas complètement à plat du coup, parce qu'on a 4 étiquettes qui se mettent les unes sur les autres, mais ça n'est pas très très grave. Alors, regardez, j'ai fait du coup avec mon tamponnage, j'ai fait cette grande fleur et j'ai utilisé les deux découpes du coup. De nos poinçons qui s'appellent fleurs bellissimes, du coup, qui vont avec ce joli set de tampons. Et là, vous avez deux poinçons avec des découpes toutes fines que j'adore.
celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci était trop grande, mais j'ai utilisé celle-ci deux fois. Et ici, là, vous avez des ribambelles de fleurs que vous allez pouvoir utiliser en décoration. Donc là, j'ai collé tout ça sur un rond ébardé couleur café, de la même couleur. Alors là, j'avais fait des bêtises, donc on va remettre des mousses à côté des autres. Ça, c'est pas grave, hein. Quand vous faites des bêtises, vous les coupez les mousses, hein, et puis vous pourrez jouer. Hop. On va mettre ça, du coup, le petit message. Hop, aligné, faites attention à de mettre suffisamment bas parce que du coup la fleur ici est un peu haute. Et du coup, vous voyez la petite cette découpe là va nous permettre de découper plein de petites fleurs comme ça. Alors ces fleurs, elles ont un petit trou au milieu, mais malgré tout, regardez, avec un petit tapis de mousse, je vais les attraper, les poser sur mon tapis de mousse. Et j'aime bien faire ça. Merci beaucoup, Christelle. J'aime bien faire ça avec mon bouchon de colle. Regardez, vous faites comme ça. Hop, vous tournez. Et j'essaye de vous montrer. Regardez, sur quelque chose de blanc et de plat. J'essaye de vous montrer la différence entre les deux. Est-ce que vous réussissez à voir? En fait, grâce à cette technique, on va pouvoir faire un petit volume sur nos fleurs. Donc, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre un petit outil avec une boule. Vous pouvez prendre un capuchon de crayon, enfin quelque chose qui a un bout arrondi en tous les cas. Et du coup, une fois que nos petites fleurs, elles sont comme ça en forme, on va pouvoir venir les coller autour de notre déco. Comme ça, je trouve ça assez mignon. Donc là, je vais les rattraper avec mon outil touche à tout, hein. Hop. Lui, clairement, il fait partie des indispensables. Et là, on va mettre une micro gouttelette de colle sur le bord de notre rond. Hop, pour venir la coller. Alors là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas son... Ah, j'ai pas remis le capuchon au pic-pic, ça c'est pas malin. Hop. Du coup, vraiment avec la colle touche à tout là, vous pouvez mettre une mini goutte de colle et ça va suffire à la faire coller. Hop. Et la dernière, elle est où, vous me dites? N'importe quoi, devant mon nez. Toc, toc, toc. Il faut que je fasse ce querelle ou le blé sauvage. Tu veux que je fasse ça? On peut, hein. Regardez. Elle a complètement raison, Lisa. Et ça, vous pouvez vous amuser à faire des montages comme ça. Vous me donnez 2 secondes et je vais faire un petit bidouillage. Je passe juste ça dans ma machine. Dans la machine de coupe. Et surtout, du coup, vous abandonnez pas les petits centres de fleurs. Parce que regardez, votre fleur, elle est découpée. Donc là, j'ai une petite fleur blanche. Mais bien évidemment, les petits cœurs aussi sont découpés. Et comme j'ai un outil touche à tout, même si c'est minus, eh ben je peux quand même l'attraper
Et du coup, comme ma colle elle est géniale, je vais faire sortir, mais vraiment, alors une goutte aussi minuscule que ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez même un peu l'étaler comme ça. Là, on s'amuse à un petit jeu de patience, hein. Regardez, je reconstitue ma découpe avec un petit cœur blanc du coup. Parce que blanc, ça ressort mieux que blé sauvage. Regardez comme c'est chou. Merci Isa pour cette idée, dis donc. C'est pas super mignon quand même. Alors là, on peut remonter un petit peu nos pétales. Pour mettre nos fleurs en volume. On s'est amusé ce week-end à deviner un accessoire qui pour moi est quasiment indispensable. C'est notre Wink of Stella. Et regardez, du coup, je vais pouvoir mettre comme ça sur ma fleur des paillettes. Alors, j'ai pas la couleur définitive tout de suite parce que du coup, ça mouille le papier, donc ça le rend un peu plus foncé. Mais cet effet un peu plus foncé va disparaître et on va avoir plus que les paillettes qui vont rester du coup. Des paillettes, je peux aussi en mettre comme ça, hein. Vous barbouillez rapidement. Regardez, je vais vous montrer de près. Ce que ça donne, mais tout de suite ça fait, j'essaye de vous montrer avec des jeux de lumière, je sais pas si vous voyez, mais ça fait tout de suite un petit effet super adorable et du coup ça met un côté un peu bling bling à votre projet et un petit peu un côté waouh bien évidemment. Et ben merci, dis donc. Ouais, les perles grises aussi, mais je les mets un peu partout. Les perles grises, c'est une très très bonne idée, mais comme là, j'ai mis des roses, il aurait fallu, enfin, je ne sais pas si tant de sortes de perles les unes à côté des autres, ça aurait été joli. Mais les perles roses, je les ai mises sur plusieurs projets ce week-end, et elles sont vraiment splendides, c'est vrai, les perles grises pas roses. Regardez ça! Voilà une petite carte toute simple. Donc là, avec les découpes, hein, je suis sûre que vous avez des découpes à la maison, ou bien évidemment, vous pouvez avoir celle-ci sur ma boutique en ligne, ou bien avec des petits rectangles. Voilà, tout simple, encore plus simple, mais que vous pouvez agrémenter de différentes façons en tous les cas. Eh bien, écoutez, je vous retrouve ici, là sur notre deuxième caméra du coup. Oh, mais c'est trop gentil, ça, dis donc. L'intérieur est magnifique, c'est adorable. Je suis sûre que vous allez réaliser plein, plein, plein de belles choses. Alors, n'oubliez pas, nous sommes le 22, il vous reste une semaine pour rejoindre mon équipe et avoir l'opportunité de connaître encore plus de fun. Je suis tout ouïe pour répondre à toutes vos questions, toutes celles que vous pourriez encore vous poser. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Profitez bien. Donc notez bien dans votre agenda ce nouvel horaire de live. On se retrouve normalement dans 15 jours et en attendant, je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt!